Pittoresque et peuplé de résidents amicaux qui sont généreux d'esprit, le Malawi est appelé depuis toujours le cœur chaud de l'Afrique. Malheureusement, la gentillesse ne se traduit pas toujours en prospérité. Environné de terres et faisant face à de nombreux défis, le Malawi est classé comme étant un des 10 pays les plus pauvres au monde. Les Nations Unies estiment que 70% de la population du Malawi, de 12 millions, est à risque de famine. Une grande majorité des gens sont victimes chaque année d'une période appelée la saison de la faim. Les mois entre le temps où il n'y a plus de nourriture et le début de la récolte. Culturellement dépendant du maïs comme aliment de base, les gens du Malawi sont extrêmement vulnérables. Puisque le maïs est une récolte qui peut facilement échouer si les pluies ne sont pas adéquates, une seule saison infructueuse peut être dévastatrice. 2005 fut l'une de ces années pour le Malawi. À mi-chemin pendant la saison de croissance, les pluies ont cessé. À environ la même période l'année dernière, après une bonne chute de pluie jusqu'en décembre 2004, les pluies ont diminué pour finalement cesser complètement en février. La plupart des agriculteurs ont perdu jusqu'à 60 % de leur récolte totale. Cela a créé une pénurie importante. Nous avons réalisé que nous devions réagir immédiatement pour apporter de l'aide aux gens qui mouraient de faim. Bien qu'il ne soit pas normal pour ADRA de distribuer de la nourriture, des circonstances exceptionnelles comme une famine, une catastrophe naturelle ou le déplacement de gens en temps de guerre nécessitent des mesures extrêmes. L'objectif à long terme d'ADRA vise à mettre fin à la pauvreté et ne peut être atteint que si les nécessités même de la vie sont en place. Il est difficile d'apprendre à se préparer pour demain lorsque vous n'avez pas mangé aujourd'hui. Par conséquent, dans de nombreuses communautés qui ont grandement souffert de la sécheresse au Malawi, ADRA a sauvé des vies grâce à la distribution de maïs. Lorsque les conditions sont plus stables, l'objectif principal d'ADRA est d'aider les gens à mieux se préparer à la prochaine période où les pluies cesseront. Grâce à l'introduction de nouvelles récoltes et technologies de production alimentaire, d'une nouvelle collection de semences pour des variétés de plantes à haut rendement, de la diversification et mélange des récoltes, de l'enrichissement des sols, de la conservation des sols, ainsi que de meilleures méthodes d'entreposage des aliments, ADRA aide les gens du Malawi à devenir plus sécurisés en matière de nourriture. L'une des premières choses qu'ADRA fait en entrant dans un district est d'établir des organisations communautaires. Des représentants de chacune de ces organisations sont choisis pour participer à des ateliers de travail où ils reçoivent des directives pour renforcer et améliorer les vies des gens dans leur village. Au-delà de la sécurité alimentaire et de nouvelles méthodes agricoles, ces meneurs communautaires apprennent des concepts qui encouragent la santé et l'hygiène, la prévention du VIH et du sida. Les droits de l'homme et de la femme et comment travailler avec eux et protéger les foyers les plus vulnérables dans leur village. Ces stagiaires retournent dans leur village pour devenir les formateurs. Affamés et pauvres pendant tellement d'années, les villageois sont impatients d'apprendre et d'implanter de nouvelles méthodes. Avant qu'ADRA ne vienne dans notre village, nous étions en très mauvaise position. Nous exploitions une très grande terre pour en récolter très peu. Maintenant que ADRA nous a montré de nouvelles méthodes agricoles, nous plantons dans de petits champs et nous récoltons beaucoup plus. «
Adra nous a apporté de nouvelles semences et nous a montré de nouvelles façons de semer. Ils nous ont montré la diversification des cultures et comment fabriquer notre propre engrais à partir du fumier et du compost. Les résultats ont été incroyables. L'année dernière, nous avons récolté beaucoup plus que ce dont nous avions besoin pour notre famille. Nous avons vendu nos légumes supplémentaires au marché et avons fait assez d'argent pour agrandir notre maison. L'arrivée d'Adra nous a tellement aidés. Nous avions des idées très strictes au sujet des divers rôles domestiques, mais Adra nous a montré qu'il est acceptable de travailler ensemble, hommes et femmes, pour effectuer les tâches domestiques et travailler dans les champs. Il y a beaucoup de puissance dans sa connaissance. Il y a tellement de choses qu'une communauté peut mieux faire lorsque nous travaillons tous ensemble. Nous sommes déterminés à garder notre organisation communautaire bien au-delà du départ d'Adra afin de pouvoir grandir ensemble en tant que communauté. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce qu'Adra a fait dans notre village. S'il était possible pour nous de marcher jusqu'à votre pays et remercier tous les gens pour les choses qu'ils ont faites pour nous, nous l'aurions déjà fait, mais puisqu'il faut prendre l'avion, nous ne pouvons pas y aller. Veuillez les remercier pour moi. Grâce à votre générosité, les gens du Malawi sont de plus en plus sécurisés en matière de nourriture. Adra Canada vous remercie de votre collaboration, tandis que nous travaillons ensemble pour mettre fin à la pauvreté. Merci de votre soutien continu.